Bonjour à chacun et chacune. Nous espérons que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Voilà, nous avons toujours autant de joie à vous présenter ces danses parce qu'on sait que on contribue et vous contribuez aussi puisqu'on sait que vous êtes reliés, connectés les mercredis et les samedis à 11h11 mais aussi d'autres jours puisqu'on sait qu'il y en a qui dansent tous les jours. C'est leur petit rendez-vous, leur petit rituel. Et merci pour vos centres que vous nous envoyez, vos beaux centres fleuris. Merci pour vos retours, vos témoignages. Voilà, donc pour commencer, pour se recentrer, je vais vous proposer un petit exercice. Juste d'ancrage et de lenteur. Donc pour l'instant, je vous invite autour de votre centre ou dans votre salon, dans votre jardin, à marcher, déambuler, normalement à votre rythme. Le plus naturellement possible, juste prendre conscience d'éventuelles tensions qu'il peut y avoir dans le haut du corps, peut-être dans le visage, dans la mâchoire. Donc je vous invite à porter une grande détente dans vos épaules. Dans les mains. Dans le bassin, puis peu à peu, je vous propose de ralentir le pas, progressivement, la marche se fait plus lente. Qui commence par le talon, donc vraiment conscience du talon qui appuie, de la pulpe et des orteils, et en alternance, c'est d'abord un pied, puis l'autre, conscience du déroulé du pied. Conscience des zones de contact avec le sol, conscience du rôle de la terre qui me permet de prendre appui et de m'ériger. Je vous invite à aller encore plus, avec encore plus de lenteur, d'aller vraiment rechercher des endroits où peut-être vous n'avez pas l'habitude d'aller, encore plus lent que votre lenteur naturelle. Comme si votre mouvement était décomposé, était ralenti. Et toujours là, avec la conscience de ce qui se passe, dans mes appuis, dans mes pieds, dans mes chevilles.
puis sur la musique des chants d'oiseaux, en espérant que vous les entendez. Ce sont les bras qui se déploient. Dans un mouvement également très très lent. Je vis au ralenti. Je m'arrête dans un endroit au soleil, près de votre centre, devant une fenêtre. Les pieds sont fixes, mais c'est juste le haut du corps qui bouge. Un arbre enraciné, les branches tournées vers le ciel, les branches et toutes les feuilles qui ondulent grâce à une brise très légère, un léger vent. Qui fait frémir tout le haut de l'arbre. Voilà, et petit à petit, le mouvement de hample va se réduire progressivement. Et je ralentis l'amplitude et je ralentis le rythme. Jusqu'à retrouver l'immobilité. Je prends quelques instants pour goûter. Et voilà, merci. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter quatre danses. En fait, on a eu du mal à choisir. Voilà, donc du coup, on va vous inviter dans un voyage autour du monde avec ces quatre danses. Voilà, bien écoutez, on va commencer par une petite danse qu'on va faire avec trois pas différents. Donc je vous montre les pas. Premier pas, c'est ce qu'on appelle un pas de toe check. J'écarte le droit. Je croise le gauche derrière, je repose le droit, je pointe le gauche, j'avance le gauche et je joins avec le droit. Donc en 6 temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second pas. 1, 2, 3.
3, je joins, j'écarte le gauche et je joins le droit. Je remonte. 1, 2, 3, 4, j'écarte et je ramène. Encore une fois, droit, gauche, droit, joint, j'écarte le gauche et je ramène le droit. Troisième pas, droite, gauche, droit, ferme, écarte le gauche vers l'arrière et frappe le droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous aurez le temps avec la vidéo de redécomposer. Donc c'est une musique qui s'appelle Yar Yéman. Vous trouverez toutes les références sous la vidéo. Sous la vidéo, vous verrez, il y aura toutes les références. Donc pour le changement de pas, je dirais au pas, comme pour les danses grecques. Et donc quand j'annonce au pas, c'est qu'on va bientôt changer de pas. Voilà. On peut bien sûr ne faire qu'un pas, ou faire deux, ou faire trois. On rentre dans le rythme.
Sentir comment cette danse a stimulé le corps. Voilà, conscience du souffle, la respiration s'est accélérée. Donc on en prend conscience. Voilà, les sensations corporelles sont probablement différentes. Peut-être sentez-vous des picotements, peut-être des parties du corps qui sont plus vivantes. Peut-être que mon corps est plus enraciné dans le sol. Voilà, il n'y a aucun effort à faire. Juste observer. J'accueille. J'observe. Rien à changer, rien à faire. Rien à rejeter. Seulement accueillir. Voilà, merci. On va passer à la deuxième danse que le jeune va vous présenter. Adgurename, c'est un chant, un mantra de Mirabai Seba, chanté par Mirabai Seba dans cette version-là. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui nous ont fait le retour, comme quoi c'était difficile de danser en cercle tout seul. D'autres, par contre, pour qui, c'est plus aisé, ils sentent vraiment la présence des autres et se sentent reliés. Donc là, dans cette danse, normalement, c'est vraiment une danse de rencontre, de connexion. Mais on va tenter de la faire seule pour justement se rappeler à nous, voilà, Luc m'aidera bien sûr, mais pour bien sûr se rappeler à nous qu'on est tous reliés, tous en cercle et tous... Et que bientôt on va pouvoir de nouveau se rencontrer, s'embrasser, se regarder, se sourire, se câliner. Voilà, donc je vous montre la danse. Ensuite, tu peux venir. Alors, on va quatre pas vers le centre. 1, 2, 3, 4. Les mains se joignent, on recule en quatre pas. Et les mains descendent le long de la ligne des chakras. 1, 2, 3, 4. C'est là où je vous disais, c'est une danse de connexion. Quand on la danse en cercle, il y a des A et il y a des B. Donc moi je suis A, je vais vers le sens horaire. Et Luc, donc, c'est un B. Alors, on va faire quatre pas. On se regarde, la main gauche est sur le cœur et on est main droite en main droite. On se regarde. 1, 2, 3, 4. Là, on se lâche, mais on ne se lâche pas du regard. On recule deux pas. 1, 2, on avance de 2. 1, 2. Et à la fin du 2, on s'est de nouveau donné les mains. Et c'est toute la danse. Donc, on vous remontre. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Donc, moi, de nouveau, on va dire que je suis B. Toi, t'es A. 1, 2,
3, 4. On ne se quitte pas des yeux. 1, 2 et 3 et 4. Donc, dans cette danse, il y en a qui la connaissent, d'autres qui la découvrent. Mais en tout cas, ce qui est important pendant cette rencontre, que donc vous allez faire seul, hein, il y a toujours moyen de faire comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'aimerais que vous visualisiez des visages, un regard, un sourire, une personne que vous connaissez, qui danse, mais une personne qui ne danse pas. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille qui ne danse pas, mais que vous avez envie de rencontrer, d'appeler à votre mémoire. Des gens que vous aimeriez rencontrer, ou, voilà, que sais-je. Un regard, un sourire, un corps. Oh, voilà, allez, donc on va danser. Adbouré Namé. On commence ensemble et on continue en l'autre. Avec la sensation d'être connecté. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Voilà, on garde cette belle ouverture du cœur. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. De garder au fond de soi tous ces regards qui nous ont nourris, tous ces sourires qu'on a croisés pendant cette danse. Et tous les amis, proches, moins proches, toutes les personnes qui ont dansé avec nous. On remercie. On exprime notre gratitude de partager toutes ces belles choses, ces belles danses avec les amis. Voilà, troisième danse, Gloria va vous la proposer. Alors, lors d'un festival, nous avions découvert un groupe qui s'appelle Mougar, qui affectionne le métissage des musiques. C'est un groupe celtico-berbère. Donc du coup, la choré va comporter deux parties. Une partie à connotation irlandaise et une autre inspirée plutôt de pas orientaux. Voilà, c'est une danse très tonique. Là, de nouveau, on va bouger. Alors, il y aura d'abord des petits pas de... Petits pas de irlandais, petits pas, comme des petits pas chassés, mais très vers le haut. Pas chassé, pas chassé. C'est pas, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas jig. Voilà, on en fait 8, on change de côté et on va vers le passé, vers la gauche pour faire 8 petits pas de drill. Si on peut, c'est très vers le haut, très souple dans les chevilles et les genoux. Voilà. Ensuite, la partie orientale, c'est une partie de danse libre. On aime bien faire la danse libre parfois. Les danses sacrées dans son sac sont assez codifiées. Mais là, on apprécie parfois de se lâcher dans une danse libre. Donc, c'est oriental. On fait comme on veut, avec les bras. Il y a peut-être dans la danse orientale. Voilà, c'est une partie libre. Ensuite, il y a une partie où on va se rapprocher des danses d'Erwish Turner. Donc, une main connexion vers le ciel, une main connexion vers la terre, la paume, les paumes ouvertes. Et on tourne, on fait danse tournante, dans le sens qu'on veut, avec la vitesse qu'on veut bien sûr. Ben voilà, c'était les trois parties. C'est un peu irrégulier, donc on va la danser, puis je vous dirai au fur et à mesure. Gagne la. Voilà, une danse idéale pour se lâcher, s'abandonner, se faire plaisir, stimuler le corps qui a bien besoin de bouger en ce moment, pendant ce confinement. Donc allez-y, lâchez-vous. La, 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 la. Yeah.
C'est des danses qui nous remuent bien au niveau énergétique. Donc sentez tout le brassage de l'énergie, le vortex qui tourne, différentes vibrations, la circulation de l'énergie à l'intérieur de nous. Voilà, sentir le souffle qui se calme. Ah. Et donc après cette fougue celtico-berbère, on va revenir à une danse plus intérieure qui s'appelle The Two Trees, les deux arbres, de Lorina McKennitt, une chanteuse qu'on affectionne particulièrement. Donc c'est une danse tranquille, je vous montre les pas. Quatre pas pour aller vers le centre. 1, 2, 3, 4. Quatre temps, je suis sur place, bien ancrée comme un arbre. Bon, pour reprendre l'image de l'arbre de tout à l'heure. Mes branches tournées vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Avec beaucoup de douceur et de conscience. Mes bras redescendent, mes coudes sont pliés. Dans un geste d'ouverture et d'offrande, je vais reculer quatre pas. Les deux premiers, mon bras droit va s'ouvrir sur le côté. 1, 2, mon regard suit si possible. Et 3, 4. Là, on est en contact avec les partenaires de droite et de gauche. Et je balance. 1, 2. Le troisième pas est légèrement plus ouvert. 3. Et je ferme à 4. Donc, balance droite, balance gauche. J'écarte un peu plus mon droit et je ferme pour pouvoir faire circuler le cercle. Donc là aussi, c'est une danse où on va vraiment avoir pendant ce balancer là la conscience d'être en contact les uns avec les autres et de sentir la présence. So
Pendant la danse, on a eu la chance d'avoir dans notre champ de vision par les fenêtres deux magnifiques êtres, un ici et un ici. Et voilà, ils nous ont accompagnés pendant toute la danse. Merci à eux. Voilà. Merci d'avoir dansé avec nous. Merci d'avoir dansé tous ensemble. On retrouvera donc Catherine samedi à 11h11 pour un nouvel atelier. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Et à tout bientôt. Bisous, bisous.